Salut à tous, c'est Yael, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cinquième épisode de ma série Yaya fait le tour du monde. Donc, vous étiez assez nombreux à voter dans les commentaires, donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc, vous avez été nombreux à voter le Mexique. Donc, j'ai décidé de me faire une équipe. L'équipe du Mexique, avec les joueurs qui me potentiellement me paraissent les plus intéressants. Dans les buts, on a Guillermo Ochoa, voilà le meilleur gardien du Mexique. Arrière droit, Estrada, 86 de vitesse. Diego Reyes, son central, un peu lent, 69 de vitesse, mais 1m89, élevé, contribution élevée en défense. Hector Moreno, 1m84, toujours aussi, pas très rapide, mais bon, on va faire avec. Arrière gauche, Guardado, j'ai déjà testé, j'ai bien aimé. Au milieu, on a Carlos Pena, 82 de vitesse, des stats assez complètes avec 4 étoiles mauvais pieds. Contribution élevée, élevée. En milieu défensif, 86 de vitesse, 73 de défense, 75 de physique pour Vasquez. Droitier toujours, petit par contre. Et l'autre, c'est Hector Moreno, joueur de Porto, 73 de vitesse, stats assez complètes aussi. Et contribution élevée et élevée. Et droitier. Donc après, je vais présenter la star de l'équipe après. En attaque, Giovanni Dos Santos, gaucher, 4 étoiles technique, 4 étoiles mauvais pieds. Si vous avez une BBVA, n'hésitez pas à le tester. Pareil pour Javier Hernandez, Charito, 86 de vitesse, 80 de frappe. Et au milieu, offensif, on a Blanco, la légende. Je sais pas si vous le connaissez, bon, moi je le connaissais personnellement. C'est lui aussi, si vous ne savez pas, c'est lui qui a marqué le but du penalty qui nous a presque, en fait, qui nous avait éliminé presque de la Coupe du Monde 2010. Donc voilà, il est sorti en carte informe, j'ai acheté 66 000, ça fait un peu cher, mais bon, tant pis, j'avais envie de le tester. 66 000, il est en carte informe, donc j'ai décidé de le tester. 28 de vitesse, sachant que le mec il va avoir 42 ans, donc c'est vraiment énorme d'être informe à 42 ans. Donc 28 de vitesse, 72 de frappe, 80 de passe, 72 de dribble, 5 étoiles mauvais pieds, 4 étoiles techniques. Par contre, contribution faible et faible, c'est pas terrible, c'est vraiment même bidon ses contributions. Donc voilà, j'ai décidé de le jouer un peu avec. Sur le banc, j'ai mis Vela et tout parce que j'avais pas. En fait, il y a des bons milieux droits en Mexique, mais au milieu gauche, c'est pourri. Donc j'ai décidé de jouer sans milieu RT. Donc j'ai pas pu caler Vela. Je voulais tester Vela in form, mais il coûte déjà très cher. Donc voilà, j'ai préféré faire cette équipe qui a l'air assez sympa en plus. Donc on a trouvé notre adversaire. My Nation, fuck you. Il joue en 4-3-3, je crois. Allez, vas-y, joue. My Nation. Alors, c'est une Norvège. Ok, avec. Donc, je connais le milieu gauche, c'est Elyounoussi. En milieu offensif, il y a Berguet, il y a Tété, il y a Nordberg qui est une forme en défenseur d'ailleurs. Il y a Hovland en défense, il y a gardien, c'est Nyland. Puis sinon, je connais pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il fait? Mec qui fait déjà une pause, je pense qu'il va faire rentrer du monde, poste de pôle collectif, etc. Donc j'ai un truc à vous dire, je pense que vous avez tous vu les épisodes tragiques qu'il y a eu en France là avec Charlie Hebdo, etc. Aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, elle est vendredi à 22 h, donc je sais pas. Bon, pour l'instant, vous avez, j'ai moi j'étais au courant. Après, voilà, Charlie Hebdo a été attaqué mercredi, voilà. Ça fait un peu mal, et puis les deux ont des les frères Kouachi là, ont été enfin, déjà ça commence bien. Frères Kouachi ont été déjà tués là par le GIGN là, c'est tant mieux. Par contre là, déjà si je me prends un but par ça, voilà, c'est bien joué, tu vois. Donc voilà, GIGN intervenu, ils ont réussi à les tuer grâce aussi au peu d'hommes qui étaient dans la. C'était pas un otage en fait, c'était on nous ont dit que c'était pas un otage, mais que c'était une personne qui tout simple, qui en fait qui s'était cachée, et puis voilà, ils ont envoyé des messages, donc vous avez dû le savoir vous aussi. Donc voilà, c'est un peu grâce à lui. Et puis en même temps, il y a une autre prise d'otage, c'est même pas une prise d'otage en fait, voilà, dans les cartes dans un magasin cachère. Donc voilà,
avec 3 morts et au moins 3 morts. Pour l'instant, c'était bilan 3 morts plus le mec, plus voilà, Mehdi ou Cousin Bali, je crois, comme ça. Ouais, donc voilà, ça fait un peu mal d'avoir ça. On va essayer de tenter des trucs avec Blanco quand même. Blanco qui a, j'oublie de vous dire, 99 de pénalty, une très grosse frappe et très grosse, très bon coup franc. Donc voilà, je voulais vous le dire simplement. Ouais, sinon, bah, voilà, j'espère que ça va rien ne va trop se passer ces derniers jours. Oh putain, je peux déjà en 1-0. Rien trop va se passer ces derniers jours parce que là, c'est déjà beaucoup. Plus en plus, Koulibaly, soit qui avait tué la police. La police municipale, là, la fille la stagiaire, donc voilà, c'était jeudi, donc ça fait un peu, ouais, ça fait mal quand même. J'espère que voilà, vous sentez pas. Franchement, je suis quand même un peu ému de ce qui se passe parce que ça fait, c'est la première fois en France que ça arrive, donc ouais, ça fait drôle, quoi. Ça fait drôle, mais voilà, faire avec, hein. Faut... Par contre, ça m'énerve quand il y a ce bug là sur les côtés. Il y a foot là. Ok. Voilà, ça m'a un peu insisté. Je voulais faire une petite parenthèse, même si c'est les vidéos, c'est pas trop fait pour en parler. Donc je voulais juste pas faire une parenthèse pour voilà, pour bah, avoir le soutien, surtout bah, pour les familles des victimes, parce que ça doit être dur quand même de se faire tuer, parce que tout ça parce qu'on faisait des dessins voilà, pour faire rire. Donc surtout que en plus le ouais, les magazines étaient un peu en faillite, donc voilà, ça fait un peu mal. J'espère qu'il va pas trop se passer de trucs graves quand même, il faut arriver tous les djihadistes, on verra bien. Donc je vais fermer la parenthèse là-dessus, on va bien se concentrer sur le match, on perd déjà d'ailleurs 1-0. Allez. Donc, pour l'instant, on n'a pas trop vu Blanco. Bien joué ça. De Santos, on va centrer en retrait. Ah, par contre les maillots c'est vraiment chaud parce qu'ils sont pas très, ils sont pas très gris, les maillots tout bleu, maillot bleu et rose. De dos ça va, mais quand on joue en face on a du mal à les reconnaître, c'est galère. C'est parti Blanco, 42 ans mec, machin, 41 mais il va avoir 42. Allez, on va bien signer, voilà, on récupère, on va pour Blanco. Ah, c'est chaud quand même d'accélérer. Franchement, il faut que j'essaie de frapper dedans avec. Il est parti. Il est parti, Chirito. Ah, mais non, t'as pas le droit de tirer à côté. Merde. Cette équipe m'a coûté, si vous voulez savoir, à peu près dans des 100 000 crédits. Bah, avec l'uniforme, sans l'uniforme, bah, vous enlevez 66 000. Et puis voilà, vous avez le prix, ça fait à peu près 50 000 d'équipe sans l'uniforme. 40 000, bon, voilà. Vous pouvez changer un peu de formation, mis ici, mettre en milieu gauche à Zarate. Je vais regarder, c'est un 88 de vitesse, mais bon, voilà, 66 de général, un truc comme ça. Donc, je préférais jouer comme de cette formation, comme je vous l'ai dit, avec Hernandez et Dos Santos, très bons attaquants. Et d'ailleurs, voilà, Dos Santos, elle... ouais. Oh non, 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 ah, j'aime pas ça. Ah, il est parti, allez, Guardado. Non, 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 gardien, gardien. C'est bon. Attends, pourtant, on n'est pas tombé pour une grosse équipe pour une fois. J'aimerais bien gagner quand même. On va faire que le premier tour avec. Alors que c'est la première fois qu'on a une équipe assez puissante. D'ailleurs, j'ai oublié, je vais mettre pour le prochain épisode, je vais mettre le maillot du Mexique. Parce que la dernière fois, le maillot du Canada, il n'y avait pas le maillot. Du coup, j'avais pas besoin de changer. Mais là, il faudrait que je le mette, sinon ça ferait mieux. Alors, si, il y a une prochaine fois, mais je pense quand même qu'on va réussir à les battre. Surtout là, le fait de marquer le but, une fois qu'on aura marqué un but, je pense que c'est. Allez, Pena. Ok. 6 mètres. Que là, je suis en train de regarder aussi en petit écran. Là, je regarde Marseille qui perd 2-0 face à Montpellier. Ça fait bien rire. Tant mieux. Tant mieux pour Lyon. Après, faudrait qu'il gagne face à. Attention, la perte de balle là, on rentre dans l'axe, frappe du gauche. Et voilà, égalisation, il me donne le ballon. Et nous on marque. Tant mieux, ça fait un par profit.
Là, un petit drip sur le côté, même pas besoin de faire un petit skill là, impeccable. On se remet sur la frappe du gauche, mauvais pied du Chariton, mais bon, ça passe quand même. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on fasse du but comme ça. Voilà. Par contre, on prend pas son premier. Je sais pas si vous entendez, vous, mais le son du jeu qui buggy dans mon micro. D'ailleurs, un bon arrêt de Chua. Pour l'instant, il se gère bien quand même. Il a 2-3 arrêts à faire, mais le but, il peut rien trop. Pas trop rien. Il peut rien faire tout simplement. Sinon. C'est Charito. Je garde Marcel, il est à 2-0 toujours. Tant mieux pour Lyon. Après, il faudrait qu'il gagne face à Toulouse, c'est le bétoir, mais bon, après, c'est. Si on arrive à les battre, je pense qu'on peut. Je crois qu'on passe devant Marcel. Perdre de là. C'est clair, il y a le son du jeu qui bug dans mon micro, dans mon casque. C'est galère. J'ai pas vu comment il s'appelle. C'était quoi son nom sur le maillot à Pena, on dirait Gullit, j'avais l'impression. Là. Monsieur Charito. Charito qu'on voit beaucoup mais pas beaucoup de c'est bizarre. Ah putain, ces trucs que je fais tout le temps, pourquoi, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est un réflexe, mais... Ah, je crois que Marseille vient de revenir à 2-1. Ah c'est ça, Marseille revient à 2-1. But de Omradi, le mec il vient de rentrer. Allez, mets ta tête. Décroché, là, tape. Oh, je vais quitter... Parce que ça bug tellement dans mon écran, c'est tellement galère. C'est galère qu'on voit mon nom parce que du coup, mon idée, du coup, je vois pas bien le surnom des joueurs sur leur maillot parce que ça me fait toujours rire leur surnom. Ah non, Vasquez, on n'a pas beaucoup vu. Bon, un partout à la mi-temps. Pas terrible du stat. J'aimerais bien avoir un coup franc quand même pour le tirer avec Blanco. Parce que j'ai même pas pu vraiment bien tirer avec. Donc allez. On est parti avec Dos Santos. Herrera. Ronaldo, bien joué. Oh non, Herrera, c'est droitier je crois en plus. Oh bah non, j'avais regardé tout à l'heure, j'étais droitier. Pourquoi la pile de gauche? Je sais pas. On est rien. Voilà. Oh non, ça m'énerve ça, c'est tac comme ça. Non. Non, 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 non. C'est costaud. Oh, c'est galère. C'est bon, c'est ça. Oh mais non. Oh, je suis n'importe quoi. Berget, 4 trajets techniques d'ailleurs, je crois. J'avais déjà été. Je me suis fait une Norvège bronze. Bon, j'ai pas gagné la coupe avec, mais j'avais gagné. J'ai gagné la coupe avec l'équipe pété. Bon, c'était marrant. Yatara en pointe. En un point de Thibaut qui marque but de la but de. Je me rappelle, c'était en finale. Oh, le gardien qui l'arrête, bien joué. Donc, je suis juste regarder ses stats. 4 en 7 de coffre. On va aller dans le paquet. Hernandez. Ouh. Oh. Ouh. Dos Santos du droit. Oh, le missile de Dos Santos. On passe devant. C'est son mauvais pied. 4, je crois qu'il a 4 points de mauvais pied, donc tant mieux. On passe devant 2-1. Quelle belle frappe de Dos Santos de loin. J'allais dire en plus que c'est rare que je. Ouais, bon, il est à moitié de ma surface, mais c'est rare que je marque des buts dans la. En dehors de la surface, voilà, ça fait plaisir. Passe devant, un but des deux attaquants, et il fait pause, je ne sais pas pourquoi. Je vais juste aller voir un peu ces joueurs en fait. Ouais, bon, bah, Mood, je le connaissais parce que, bah, comme je vous dis, je me suis fait l'équipe sur le banc, il a quand même du Robin, etc. S'il fait rentrer, ouais, mais c'est vraiment d'une. Ouais, il a une belle équipe de Norvège, qui fait rentrer meilleur. Et Rush. Ok.
Et Robin aussi. Donc pourtant de l'enlever là, je sais pas comment ça. Je sais pas comment ça se produit qui m'a mis le but. Allez. En bas. Et wait. Ah par contre, c'est genre. Ça va être chaud quand même de finir de défendre avec ces joueurs-là. Même si notre défense est largement plus potable que le Canada ou le Venezuela. Mais bon. Au moins on joue à 4 derrière déjà. Parce que. Ah par contre ça lag, c'est pas cool du tout ça. Le mec il fait exprès de laguer, je parie. C'est galère les gens comme ça. Il faut exprès de faire de laguer pour que tu prennes des. Pour qu'ils essayent de revenir au score. Quoi. Et Blanco. Ouais, non c'est grave, c'est pas grave. Ah mais pourquoi tu frappes pas Pena? Ah non. On frapperait plus avec Pena. Vasquez. Qui 1m64. Allez vas-y. Allez Blanco. Ah c'est chaud quand même. Et j'ai pas pu bien. Faudrait que j'ai. Ah, j'aime pas les ballons comme ça, souvent les défenseurs ils soulent, mais cette fois-ci c'est pas loupé. Moreno c'est pas loupé, mais tant mieux. Non. Et vas-y. Ah, penalty. Il y a penalty, je pense. Après, j'exagère un peu peut-être, mais pour moi il y a penalty. Parce que j'étais passé. Bah, ok, il avait pris le ballon la première fois, mais la deuxième fois il m'avait pris la jambe aussi. Hein. Par contre, Robin est parti. Un bel arrêt de choix. Encore un bel arrêt de choix. Je pense que je vais le prendre d'ailleurs dans ma. S'il est bon comme ça, je vais le prendre dans, ma... dans une BBVA d'ailleurs. Parce que les gardiens en BBVA, bravo, il est pas super super. Hein. Puis Ter Stegen, moi j'aime pas du tout. Après, chacun. Il y en a beaucoup qui le mettent. Moi je trouve pourri. Donc, ouais. Chacun son avis. Casillas pourri aussi. Donc. Ah, j'aurais pas dû faire la passe. J'aurais pas dû faire la passe. Là, Blanco. Blanco, la grosse frappe. Oh non! Avec Blanco qui est marqué, quand même. Ah, c'est galère. Bon, bah, la frappe de Blanco a été magnifique. Mon gardien l'arrête. Une grosse frappe de Blanco bien arrêtée. Et là, en fait, c'est quand je change de joueur, en fait, j'appuie sur L1 pour changer de joueur. Alors que normalement, ça change automatiquement. Mais du coup, bah, ça fait une tête lobée, ça remonte sur la barre. Puis bien, Blanco qui suit derrière. Tant mieux. Marque bah, le trio a marqué, donc même si c'est pas des très beaux buts, bah, remarque les beaux buts de Dos Santos, sinon c'est pas des très beaux buts, mais bon, on s'en fout. Hein. Blanco, par contre, se fatigue super vite. Ouais, là, ça frappe pas terrible. Ouais, j'aurais bien aimé la marquer direct quand même avec Blanco. Je pense que je vais faire des changements. Bon, pour l'instant, on gagne 3-1, pas l'utilité de faire beaucoup de changements. Il doit se fatiguer vraiment vite en carte normale Blanco parce que là déjà il se fatigue vite en version boostée. On marque quand tu sais qu'il a 42 ans. Allez, allez. Voilà. Ouais, parce que ouais ça m'énerve ça, c'est quand j'ai un réflexe d'appuyer sur la touche quand je fais la frappe pour changer de joueur alors que ça change automatiquement. Donc j'ai tellement peur que ça change pas que du coup bah, je la fais automatiquement ça. Bah du coup ça me fait une tête lobée, souvent je marque pas derrière. Des fois je marque mais souvent je marque pas, du coup ça me fait rager. Mais il faut que je m'en prenne qu'à moi-même. Charito. Gullit, ouais c'est ça, son surnom c'est Gullit. Comme ça vous savez que maintenant il y a des légendes sur Xbox, sur PS. C'est Gullit. Penalty. Mais non, mais là j'avais fait le geste technique pour. C'est abusé. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite technique. Je mettrai ce poteau de corner là. Il va mettre sa tête s'il veut bien. Et il y a plein là. Dommage. Des fois, ça, souvent ça marche. Je faisais avec Boateng, ça marche super bien cette technique. Tiens, il va nous la refaire ou pas. Blanco, et voilà. Il nous fait deux cadeaux comme ça, le mec. Tant mieux, hein. Blanco, même avec sa stat de vitesse à 28, car il va bah, accélérer quand même un petit peu, et puis voilà, après, en ce karting form, c'est normal que ça fasse le taf devant. Non, par contre, ça, le mec, il prend tout son temps, il peut prendre tout son temps, mais bon, il va courir vite en avant.
Allez. Moreno, allez. Voilà. Non, non, non. La faute. Voilà. Bon, allez, puis il reste plus que 2 minutes. Je vais pas faire de changement là, ça sert à rien. On gagne 4-1. Allez. Bon, Herrera dans le carton. On va vite mettre un joueur au poteau. Si ça veut bien. Voilà, truc qui sert toujours. Ok, Blanco qui s'est blessé. Allez, allez, allez. Allez. Ovland, je crois qu'il a 75, 60, 75 et 80 de vitesse. Il doit être bon. Pour aller Silver Argent et la Robben qui, voilà, qui passait. Mais... Bel arrêt d'autre chose encore. Dessus Tété, il faudrait que je teste Tété parce que franchement je pense qu'il doit être assez bon. Il y a des stats qui se ressemblent un peu à le roi fer de l'année dernière, donc dommage qu'ils jouent en D2 anglais, sinon je pense que j'aurais testé. Donc voilà, belle victoire 4-1. Voilà, bon bah but de un but d'Hernandez, un but doublé de Blanco et un but de Dos Santos. Voilà. Victoire 4-1. Belle victoire. On est toujours en quart. Ça fait plaisir. On fait au moins 2 matchs avec une équipe. Franchement, là, ça me plairait vraiment de gagner quand même. Blanco du match. Pas de passe décisive. Ochoa, voilà, 10 arrêts à conseiller. Franchement, je pense que je vais le caler dans mes BPVA. Donc voilà, ouais, belle victoire 4-1. Au moins on fait un deuxième épisode. Je pense qu'avec le Mexique, je pense que je pourrais aller la gagner. La coupe, ça ferait plaisir. Donc voilà les gars, je vais vous laisser là-dessus. On va se retrouver pour prochainement pour une prochaine vidéo. Et plus tard pour un épisode sur le prochain épisode de Yaya fait le tour du monde. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était Yaya 14. Ciao les amis.